Et oui, Gordon Deza pour Games Deza TV pour cette nouvelle vidéo spéciale confinement. Alors aujourd'hui, on va tester, unboxer deux manettes Mega Drive USB de Retrobit qui ont les mêmes fonctions, évidemment, vu qu'elles sont USB, mais qui n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités. On va voir ça de suite après le générique. Ok, donc ces deux manettes que j'ai achetées l'année dernière, alors celle-ci, je l'avais achetée en début d'année, hein, et celle-ci, je l'avais achetée plutôt fin d'année 2019, à deux prix différents. Alors je me suis dit que c'était la même manette, parce que j'avais testé la première dans une vidéo live, je sais pas si vous en souvenez, peut-être vous n'étiez pas là, j'avais testé donc avec la Mini Mega Drive. Donc elle marche super bien avec la Mini Mega Drive. Alors elle est prévue celle-ci pour PC, Mac et Steam. Et celle-ci, elle est prévue donc pour PC, Mac, Steam, PS3, Switch et Mega Drive Mini. Bon, il précise pas PS4, c'est dommage. Et puis là, bon, du coup, il précise Mega Drive Mini, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne version. Et surtout que elle était quand même compatible. Donc je l'avais testé déjà, celle-ci, elle était compatible avec Mega Drive Mini, même s'il n'avait pas travaillé spécifiquement sur la compatibilité de cette manette avec la Mega Drive Mini. Alors nous allons les unboxer tous les deux. Alors autre différence remarquable, hein, c'est qu'ici il y a marqué 8 boutons, hein, et là il y a marqué 6 boutons. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi celle-ci est moins chère. Celle-ci, donc la deuxième, je l'ai payé 15 euros à peu près, alors que celle-là, je l'avais payé 25 euros plutôt. Un petit peu plus cher, et ça s'explique lorsqu'on va ouvrir ces deux manettes. Alors on va ouvrir le premier. Alors bon, je l'avais déjà ouvert il y a longtemps, hein, cette manette évidemment. Je l'ai même utilisé hier sur un test sur Street Fighter 2 sur PC. Donc elle marche très bien quand on passe en mode 4 boutons, parce qu'en mode 6 boutons, hein, j'avais eu des petits soucis, j'avais pas tout accès à tous les coups sur Super Street Fighter 2. Donc voici la manette, qui est semblable à la manette Mega Drive 2, parce qu'évidemment c'était il y avait deux styles de manettes différentes. Donc celle-ci, la 6 boutons, elle était spécifique même parce qu'elle était sortie pour Street Fighter 2, hein, qui nécessitait 6 boutons, et il y avait une manette aussi Mega Drive 2 à 3 boutons, hein, dans ce style là, hein, sans les 3 boutons supplémentaires au dessus. Et celle-ci, non seulement donc les 3 boutons supplémentaires, mais elle a aussi un petit bouton mode que vous voyez là, et les 2 boutons L et R. Bon, super, donc ça fait bien, bon, on est bien à 8 boutons, j'ai même envie de dire, il y en a même 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc c'est à peu près, l'équivalent, hein, des manettes d'époque, hein, au niveau du poids, au niveau de la qualité. Donc ouvrons le deuxième paquet. Alors le deuxième paquet, je l'ai ouvert par en dessous. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait qu'un petit autocollant à ouvrir. Ah oui, alors autre aussi, autre différence, c'est à l'arrière. À l'arrière des deux packaging. Alors là, ici. Ah, là, il vous précise la marque officielle, licenciée Sega, compatible avec PC, Mac, Steam et Super RetroCAD. Donc la Super RetroCAD, c'était c'est un petit peu la Recallbox maison de Retrobit. Une configuration classique à 6 touches avec un repositionnement de la touche mode. Des nouvelles gâchettes L et R pour une configuration exceptionnelle des options. Une longueur de câble de 3 mètres, une qualité originale supérieure. Supérieure. Alors qu'ici, bah, il ne parle pas de qualité originale supérieure. Là, alors contrôleur officiel Sega sous licence. Voilà, donc voilà, là, un peu la même chose. Compatible avec PC, Mac, Steam, PS3, Switch. Alors que ça, c'était pas spécifié sur l'autre. Et Mega Drive Mini. Donc là, on n'entend plus parler de RetroCAD.
hein, bon, bon, qu'ils s'en foutent, bon, je sais pas pourquoi. Disposition classique à 6 boutons, donc là du coup il n'y a plus que 6 boutons, enfin, selon ce qui est marqué. Longueur de câble de 3 mètres, qualité d'origine, mais pas supérieure. Pourquoi ? La qualité serait-elle inférieure ? À 15 euros, c'est peut-être pour ça. Attendez, je m'échappe 10 secondes, je suis pas loin. C'est juste parce qu'il fallait que j'éteigne le four. Parce qu'en plus, voilà, cette vidéo, je la fais dans les conditions directes. Alors, elle n'est pas en direct, parce que j'ai pas la connexion qu'il faut. Hein, je suis désolé. Alors, du coup, je fais plus que des vidéos enregistrées. Dommage, on partage pas ça en direct, mais c'est pas grave. Ah, tiens. Alors, dans cette boîte, par contre, comparé à l'autre, il y a une notice. Hein, alors que dans l'autre packaging, pas de notice. Donc il vous explique l'utilité hein, des différents boutons, notamment le bouton mode, et comment alterner entre la configuration D et X, il y a deux configurations, en appuyant sur Start plus B en même temps pendant 5 secondes. Alors, pourquoi passer en configuration X? Ils expliquent que c'est pour changer en configuration X sur Steam pour résoudre les problèmes de croix directionnelle. Voilà, c'est juste pour Steam, en fait, s'il y a des problèmes de croix directionnelle. Donc sinon, la manette est quasi semblable, sauf que il n'y a pas le bouton mode ici. Là, au niveau qualité des boutons, c'est pareil, qualité du plastique, poids, c'est pareil. Et il n'y a plus les boutons L et R. Hein ? Ah, par contre, il y a quand même un petit bouton. Il y a un bouton mode. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. J'essaye de vous le rapprocher. Hop, hop, hop. Voilà, il y a écrit mode. Donc, voilà. Du coup, le petit bouton mode hein, qui était là, donc, a été déplacé sur le côté. Il n'y a plus de L et R. Ce qui n'était pas justifié, on va dire, sur l'utilisation de la Mega Drive Mini, par exemple. Hein, et c'est pour ça qu'il spécifie bien sur la boîte qu'elle est destiné à la Mega Drive Mini. Alors on va les tester. Alors celle-là, je l'avais déjà testé, vous vous souvenez, avec la Mega Drive Mini. Non pas avec la Mega Drive Mini sortie dans le commerce, mais avec la Mega Drive Mini Maison. Hein, c'est en fait une recall box que m'avait bricolé Marco hein, à partir d'un hub. Hein, c'était un hub, c'était assez recherché pendant un moment, ça ne l'est plus. Hein, j'en ai toujours un autre en stock. Mais du coup, ce hub permettait de connecter 4 périphériques en USB. Et là, pour le coup, on pourrait connecter jusqu'à 4 manettes. Donc, on va tester directement la manette sur cette mini recall box. Alors, le temps que je bascule sur... l'image va disparaître quelques secondes. Attention. Hop là. Hop là. Et là, on bascule sur la Mega Drive. Dès qu'elle se rallume. Voilà. Donc on va la tester avec cette recall box. On va voir si ça répond bien. Il n'y a pas de raison. Et sur les tests précédents, sur la Mega Drive Mini, c'était d'une qualité irréprochable. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne sur une recall box. Bon, parce qu'il ne spécifie pas un recall box, évidemment. C'est spécifié PC, Steam... alors RetroCAD c'est un peu la même chose hein, c'est un peu le même concept, donc a priori ça devrait fonctionner pareil. Alors je vous cache pas que j'ai déjà essayé, que ça fonctionne et que je l'ai déjà paramétré la manette. Alors pour la paramétrer, évidemment, ça oblige à mettre un petit clavier et tout ça, donc j'ai réussi, il n'y a pas de problème. Alors sur Mega CD, tiens, bah ça tombe bien parce que je voulais essayer un jeu sur Mega CD. On va voir s'il y est. Alors le jeu c'est Kamen Rider. Alors JK, reviens. Kamen Rider, non. Alors en version américaine peut-être Mask Rider. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il s'éteint. Pourquoi il s'éteint? Ah, il y a peut-être un petit souci, l'alimentation. Rallume-toi, excusez-moi, petit aléa du direct différé.
C'est les aléas du différé, du live différé, donc voilà. Donc sinon, j'espère que votre confinement se passe bien, hein. Je sais que c'est un petit peu long, hein. C'est pour ça qu'on cherche à s'occuper. Alors c'est pour ça que moi j'essaie de partager autant que je peux, hein, mon expérience du confinement. Alors j'ai remarqué que j'avais deux manettes différentes, achetées à deux moments différents, mais qu'il me semblait avoir racheté la même. Je me suis dit, comme ça j'en ai deux pour jouer sur ma petite Genesis maison, ma petite Mega Drive maison. Sauf que c'était pas les mêmes. Hein, je m'en suis rendu compte en ouvrant la boîte. Quand j'ai vu la notice, notamment, je dis, ah, ça y était pas. Et en effet, il y a quelques petites donc fonctionnalités différentes. Il y a des boutons en moins, et c'est peut-être pour ça qu'elle est moins chère. Hein. Donc j'ai pas trouvé, hein, le jeu Kamen Rider. Donc bon, c'est pas grave. On en essaiera un autre. Tiens, j'ai vu qu'il y avait Cliffhanger. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Cliffhanger. Voilà, on teste pour voir. Donc moi je suis très fan, hein, de Stallone. Stallone en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur. Hein. Il a fait de très très bons films. Alors voilà, on les qualifie parfois de nanars, hein, ces films, hein, notamment Expendables. Mais bon, moi j'aime ça. Alors ça marche pas. Voilà, les aléas du différé. Donc on va ressortir. S'il veut bien. Non, en fait, il s'est encore éteint. Parce qu'en fait, il est alimenté par le PC. Je ne l'ai pas mis sur une source d'alimentation externe. J'ai juste mis alimentation sur le PC. C'est peut-être ça qui fout un petit peu la merde. Sega! Oh, Sega! Ça va pas durer, vous en faites pas. Je fais le test que d'un seul jeu pour voir si les boutons fonctionnent bien. Hein, mais on va pas plus loin. Hein, après, je vous laisse tranquille. Donc voilà, là on en est à peu près 2 semaines de confinement. Donc on est reparti pour 2 semaines encore, au moins. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais bon, pour moi, ça se passe plutôt bien, on va dire. Même si j'ai pas l'air de m'éclater. Hop. En fait, j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, attendez, hop, et encore Cliffhanger, là, en version de Genesis. Et là, tu t'éteins pas, hein. Voilà, le jeu se lance. Alors, je connais pas la différence entre les deux Cliffhanger version Mega CD et version Genesis. C'est peut-être le même jeu après tout. Alors étonnamment, ils ont sorti, hein, des jeux sur Mega CD, notamment des compiles de jeux qui sont identiques à la version cartouche. Je voyais pas l'intérêt. En fait, le Mega CD n'apportait pas de puissance, on va dire. Ça apportait voilà, un support avec une plus grande capacité de mémoire, on va dire. Qui permettait d'avoir plus de données, donc du son en qualité CD, des vidéos en qualité de merde, en qualité vidéo CD, même moins que vidéo CD, c'était Real Player, quoi, c'est Real Player, c'était... Enfin, c'était... Voilà, c'est pas ce qu'il y avait de mieux en termes de qualité vidéo. Bon, je passe l'intro. Allez, voici notre ami Stallone. Blah! Oula, c'est un jeu de baston. C'est un beat'em up. Genre Double Dragon. Ou Street of Rage. Bon, d'une qualité moindre, on peut sauter. Hop, hop, hop. J'ai l'impression que ça lag un petit peu, hein. Tac. Un tout petit peu, hein, quand même. Ah, on peut récupérer le couteau. Bon, ça, c'est pas forcément la faute à la manette. Je l'ai pris là, le couteau? Non, il a pas pris. Comment on fait pour le prendre alors? Ah, parce que j'en ai déjà un, peut-être. Eh oui, tout simplement. Bon, je frappe dans le vide. Je sais pas qui je tue, mais je tue.
Bon, il y a peut-être des niveaux un petit peu différents ensuite. Alors, j'avoue que ça lag un petit peu. J'avoue. Alors, je ne sais pas si ça vient de la Recall Box, du HDMI, de l'encodage HDMI, qui passe par une carte d'acquisition HDMI. Mais il me semblait pas que sur le menu, ça répondait aussi lentement, quoi. Parce que regardez, par exemple, là, j'appuie et regardez le décalage. Hein, bon, je sais pas si vous vous en rendez compte. Bon, bref, il y a un petit décalage. Bon, je l'essaierai sur d'autres. Je sais que sur la Mega Drive Mini, il n'y avait pas eu de soucis. Bon, c'est peut-être là le fait d'utiliser une Recall Box. Bon, après Recall Box, bon, tant pis si ça lag un petit peu. Hein, c'est plus par nostalgie hein, qu'on essaye ces jeux-là. C'est pas vraiment par pure envie de sensation gaming à pur et dur. Non, non, je trouve que ça reste quand même un bon produit. Hein, donc, ne vous limitez pas à mon test sur ma Recall Box. Donc, du coup, je pense qu'il y a d'autres tests de ces manettes un petit peu sur YouTube ou ailleurs. Donc, voilà, je vais pas m'éterniser. Hop, on revient en scène normale. Donc, merci hein, de nous avoir une fois de plus suivis. Hein, je vous souhaite encore une bonne continuation de confinement. Et bon, si vous regardez cette vidéo plus loin, j'espère que j'aurai survécu hein, d'ici là et que vous aussi. Hein, donc, si vous regardez la vidéo, c'est que sûrement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Elles arrivent, je sais, je promets beaucoup de choses. Mais j'ai tellement de choses à faire, les gars. Hein. J'ai pas que ça à foutre. Hein. J'ai pas que le rétro gaming dans la vie. Hein. Hein, il y a des choses plus importantes et vous le savez. À très bientôt. Merci, les gars. Et les filles, sûrement.